Je suis en Bretagne parce que je suis en train d'écrire un scénario, le scénario de mon prochain film. Parce que mon vrai métier n'est pas d'être un documentariste, mon vrai métier est d'être metteur en scène de cinéma. J'ai d'ailleurs tourné une fois un film en Bretagne qui s'appelait Pêcheur d'Islande, que j'ai tourné à Concarneau. L'histoire n'était pas très bonne, mais j'avais fait quand même, je crois, de très belles images de la Bretagne et de la mer. Et alors je suis en train de tourner d'écrire le scénario de ce film, et comme je voulais être tranquille, je voulais être dans un endroit paisible, j'ai choisi cette villa à Combrite, qui appartient d'ailleurs à des parents de ma femme, et je suis installé là. Et quel est le thème du film? Oh, c'est un certain rapport avec la guerre. C'est l'histoire d'un Irlandais, d'un soldat de l'armée britannique, qui est à Bornéo et qui échappe aux Japonais et se réfugie dans la jungle. Et il devient une sorte de roi, de roitelet, si vous voulez, des tribus montagnardes. Et après la guerre, une fois que la guerre est terminée et que les Anglais veulent retrouver le statu quo, lui refuse d'abandonner son royaume. Il entre donc en lutte avec les Anglais. Et c'est donc l'histoire de ce roi qui perd son royaume. C'est l'histoire du dernier roi, si vous voulez. Et est-ce que la Bretagne vous inspire pour travailler? Écoutez, je suis allé à Bornéo là dernièrement pour rechercher un peu les décors dans lesquels j'avais tourné ce film. Et j'ai donc fait, je crois, 18 000 km. Et je m'aperçois que j'ai ici là, exactement un décor de Bornéo. C'est un des pays les plus extraordinaires du monde. Pour venir tourner le film ici? Ah, presque, on pourrait voir un prao de pirates malais là dans ce bras de la rivière de l'Oder. Vous qui avez parcouru le monde, à vos yeux, que représente la Bretagne? Ah, c'est un pays qui a du caractère. D'abord, c'est un beau pays, et ensuite, c'est un pays qui a du caractère. Je veux dire, sa population est une population qui a du caractère. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont du caractère, c'est-à-dire qui ont une personnalité, qui s'y cramponnent, qui s'y accrochent, qui ont une personnalité qui a un sens. La Bretagne, c'est un grand pays.